Bonjour à toutes et à tous, c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, je suis ravi de vous accueillir pour une nouvelle vidéo, mais qui va être un petit peu spéciale. On va parler de quelque chose qui est pour moi une première, on va dire ça comme ça. Donc on va parler d'une zone qui est un peu cachée et mystérieuse dans Dokfus, donc un des secrets de la carte du monde. Et en même temps, je vais pouvoir vous en révéler, vous spoiler une partie. Voilà. Donc évidemment, ma source restera privée, et je ne vous révélerai pas cette source, pour son bien et pour mon bien aussi. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas, c'est une source sûre, je vous le garantis à 100%. Donc, en tout cas, ça se passe au niveau de Brakmar, donc juste en dessous de Brakmar. Alors, certains l'ont déjà vu, et on en a déjà parlé. Je pensais aussi qu'on en parlerait chez Ankama, mais pas du tout. Donc, cette zone qui est ici, juste en dessous de moins 32-40, et juste à gauche, donc, et c'est pour y accéder, c'est bien en moins 32-40. Donc, cette zone est bloquée, on ne peut pas y accéder. Et elle est assez mystérieuse parce que ça fait très longtemps qu'elle est là. Si je ne m'abuse, ça fait 1 an et demi, 2 ans. Donc on voit au niveau des maps donc, qui ont l'air plutôt similaires aux autres. Donc si vous regardez par rapport à là, les petites pierres, etc. Donc c'est assez similaire. Mais cette map là, avec l'Oasis, elle semble différente des autres. Et c'est le cas. Et c'est celle que je vais vous montrer très rapidement. Donc alors, beaucoup de questions se posent. Beaucoup de rumeurs se sont posées dessus et se sont dites. Donc... Alors, la rumeur la plus grosse qui est sortie, la plus, on va dire, plausible, c'est celle qui parlait des quêtes d'alignement. Donc, c'est vrai que les quêtes d'alignement vont être changées, vont évoluer, et les futures quêtes d'alignement, donc Brakmariens et Bontariens, si ça continue comme ça, de 70 à 100, donc c'était une des possibilités de cette zone, soit justement pour ces quêtes d'alignement. Donc, on va se retrouver tout de suite sur la map. A tout de suite. Recoucou tout le monde et voici la fameuse map secrète, le petit spoil que je voulais vous révéler, que je tenais vraiment à vous révéler parce que ça me faisait super plaisir de vous montrer un petit peu ce que j'ai découvert grâce à ma source, donc c'est super. Alors la map est vachement jolie, j'aime beaucoup en fait le contraste qu'il y a entre la végétation, l'oasis et la lave juste à côté, je trouve ça vraiment intéressant. Donc après on peut s'imaginer n'importe quelle possibilité. Donc c'est vrai que quand on clique, enfin il y a un petit endroit où on peut cliquer pour y accéder, comme si on voulait se décaler d'une map dans la 1.29. Et cette zone elle est bloquée, en fait il y a marqué vous ne possédez pas l'objet nécessaire. Donc il faudra forcément avoir un objet. Donc après, comme je disais, l'explication la plus plausible ce serait justement que ça soit pour les quêtes d'alignement, mais ça peut être aussi autre chose. On voit une case ici, je sais pas si vous la voyez bien, une petite case où on peut se poser, donc peut-être que si on se pose dessus, ça active quelque chose, peut-être qu'il y aura un monstre et le combat se lancera quand on arrivera sur la map, enfin il y a plein de possibilités, peut-être un truc à pêcher ou autre, enfin il y a plein de possibilités, je suis vraiment content d'avoir eu ce petit spoil, et j'espère que vous aussi vous êtes content que je vous montre ça, bon c'est pas grand chose hein, encore une fois, mais bon ça fait plaisir de partager. Et donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que ce sera des quêtes d'alignement? Est-ce que vous pensez que ce sera autre chose? Peut-être un donjon peut-être l'obtention d'un Dofus ici? Pourquoi pas? En tout cas, j'aime beaucoup. Je trouve que les graphismes sont assez jolis. Le mélange, ça me fait un petit peu penser à la forêt des Koalak, moi. Personnellement, ça me fait penser un petit peu aux Koalak. Mélange, enfin, les lacs enchantés, mélange avec justement la zone de Brakmar, avec la lave, etc. Donc j'aime bien. Je trouve ça vraiment, vraiment sympa. J'espère que vous aussi ça vous plaît cette petite map. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, très courte, mais je tenais à vous le montrer quand même. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée à toutes et à tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous aime, bye bye.